On est d'accord que de mémoire, les batraciens, ils sont là. Genre à droite, là. Putain, je sais plus. Ça me paraît... Mais non, mais c'est pas possible. Mais non, ils étaient en haut. Ah, je sais plus. C'est ouf comment je me rappelle plus du tout. Mais attends, mais cette clé, je l'ai? Mais ça débloque juste un raccourci d'un truc que j'ai déjà, en gros. Ah non, c'est un autre truc. Je confonds. J'ai déjà visité un truc comme ça, mais ça n'a rien à voir. 952, on va peut-être pouvoir commencer à acheter oh, un bout de cœur, un bout de potion. Je suis dans la zone, j'ai rien fait et... Il a rien demandé, il se fumait. Ouais, je vois pas où c'est. Je vois pas où je dois aller là. C'était par là, non? Ah, c'était là. C'est là. C'est l'entrée, elle est... Oui, c'était là où on a récupéré le... Ok, let's go. Normalement, je suis en 2 secondes. C'est quoi ma vie là? Merci Darkab. Putain, mais en plus on va bientôt avoir comment il s'appelle le jeu on va avoir le Night 2 là. C'était là, je sais plus. Faudrait que j'ai la carte mais la flemme. Non, je sais. Ok, là on a le truc, du coup on va pouvoir activer le mécanisme. Quoi? Ça a rien à voir? Putain, mais en fait je me suis fait troller. Putain, mais le truc vert et le truc vert ça a rien à voir. Mais alors là, du coup, je récupère quoi? Je récupère le truc rouge? Mais ça a aucun sens. Ah mais en fait fallait un médaillon pour récupérer le truc vert, mais le truc vert je l'ai déjà. Donc ce truc là sert à rien, c'est ça? Ou je comprends rien. En fait il avait déjà le bâton vert, il a déjà récupéré la gemme. Et du coup on l'a quoi. Puisque les bâtons ils servent à récupérer les gemmes, mais si on a déjà la gemme, on a du bâton quoi. Ah mais dans ma tête j'avais récupéré un truc à mettre là-haut mais... Je suis con. Ok, whatever. Bon, on n'est pas très loin. Faut que je retourne à la zone principale et que je visite un petit peu en mode... Faut que je visite la zone principale en mode... Mais putain, j'ai toujours pas trouvé ça. Non, par contre, c'est une honte si je trouve pas. Je dois trouver cette plage. La plage qui est derrière là. Non, sérieux, je suis qui en fait? C'est un truc de dingue.
Putain, je mets des gros coups quand même, hein. Non, je suis en train de me perdre, c'est par au-dessus. Parce que... Non mais oui, de toute façon, il y a full mur. Là, si je vais là, je vais encore me retrouver sur la plage de l'autre côté, ce qui a rien à voir. Je sais pas si je devrais traverser là, je pense pas. Je vais remonter là. Faut que je passe derrière le mur. Il y a un bail avec cette corde aussi. Là, c'est quand on vient de la gauche. Je pense que c'est un raccourci pour aller dans la zone de gauche. Mais je l'ai pas débloqué. Et ça, ça a rien à voir ce que je fais là. Ah, quoique. Attends. Attends. Là, est-ce que je suis encore dans la zone principale? Non, je sors de la zone, ok. J'en ai contré sauvage, là. Ouais, c'est ça. Ah si, c'est par au-dessus. Putain, mais oui, si. C'est la plage que je vois en bas. Ah, mais il devait y avoir un crochet quand on passait par en bas. Attends. Ah oui, c'est sûr. Là, j'ai le TP. Qui était juste derrière. Et là, je peux aller à gauche. Ah, il l'a pas vu venir, celle-là. Comment je redescends? Ah mais du coup je vais pouvoir passer par le chemin où il y avait le mec. Ah mais là je vais pouvoir aller à gauche. C'est ça que je... Oui je suis con, j'ai débloqué un passage en fait avec le crochet. Bon je vais quand même récupérer ce coffre par principe. Genre là ça doit être à gauche. Et à mon avis, il devait y avoir en longeant un crochet que j'ai pas pris. Qui m'emmenait à un coffre. Ça doit être un coffre qui donne un truc éclaté, genre peut-être de l'attaque ou un truc comme ça mais... Et en fait, c'est forcément utile. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot là. Non, je veux pas croire que. God of War en fin d'année? Bien sûr, mais est-ce qu'il sort en fin d'année? Vraie question. Non, mais. Non mais les amis, il sort le 15 novembre. Ah ouais? Ah ouais mais c'est sûr que je vais le faire, mais faut que ça va être le rush final. En même temps c'est tellement historique par rapport à ma chaîne. Non mais c'est sûr que c'est là parce que regardez quand on regarde la carte. Regardez la plage, elle passe en dessous. Ça veut dire qu'il y a un passage. Mais ce que je comprends pas c'est comment... Oh l'enfoiré. Putain, c'est l'oiseau qui me montre. Et je peux remonter. Et voilà ce coffre à la con. Je débloque un truc, c'est... Je crois qu'il était pas sur la liste, ça me dirait. Ah si, il était sur la liste. Non, je l'ai... Ouais, c'est ça, bracelet. Bouclier. Ah, c'est l'inverse. C'est pour augmenter le bouclier et descendre l'attaque. Il se passe quoi si tu mets les deux? Ça doit revenir au même, sûrement. Ok, bah écoutez, let's go. On a récupéré un truc caché. À partir du moment où on débloque... Non mais là, ce qui m'embête, c'est que j'ai ça qui est pas sur la liste. Ah si, Kalish chanceux. Ah si, il y en a que 15 en fait. Non, il est sur liste. Donc oui, donc en fait il y a 3 lignes de 5. Donc ouais, donc j'en ai trouvé 6 sur 15. Donc j'ai mal cherché quoi. Surtout que c'est les coffres un peu sneaky. Je pense que dès qu'on aura trouvé tous les calices, ça voudra dire qu'on a géré quoi. Attends, je vais tester un truc. Tester mes dégâts avec ça.
Attends, faut que j'en tue un des deux quand même. Putain. J'ai pas envie de mourir là. Putain, mais fuck. En fait, je voulais tester mes dégâts. Et à quel endroit de la map je décide de tester mes dégâts? Ici. Bah oui, je suis tellement con. Et ouais, je repars. Enfin, je repars là, mais je suis juste à côté en réalité. S'il te plaît, Netizen, c'est 5 par... C'est 5. C'est 5 par mort, ça n'a aucun... Mais même 5 par mort, c'est abusé. C'est un putain de Dying Retry, il faut arrêter d'être con. Et là, je l'ai fait mal, là, quand même. J'ai jamais testé mes dégâts sur quelqu'un de... Et je crois qu'en fait, on perd un nombre d'âmes fixe et c'est très très bas. Je me mets de life. Ok, donc il est mid life quand je touche. Et si je mets ça, je fais combien de dégâts? En fait, faut que je teste avec lui, mais je crois qu'il se fait one shot lui. En fait, faudrait que j'enlève. Je teste mes dégâts, à moins que le chat me dise juste comment ça fait. Ok, ça enlève un tout petit peu. Ça, ça m'a mis de life. Ok, maintenant avec le shield qui est censé diminuer mes dégâts, je fais les mêmes dégâts. Et avec ça. Ah, c'est quasiment le double. Hein. Non, c'est un plus 50%. Mais du coup, on doit perdre 25% de la stat et... Mais non, mais je fais les mêmes choses. C'est un besoin, ça change rien. Si je mets les deux, il se passe quoi? Mais c'est un scam. Je prends juste plus de dégâts gratuitement, en fait. Non, mais attendez, c'est un putain de scam. Non mais il n'y a pas de renégociation, c'est 5 comptes par mort et basta. Je les ferai quand je les ferai. Peut-être le mob aussi permet pas de tester. Attends, c'est quoi ce que je viens de mettre là? Il fait quoi le casque que je viens de mettre? Écho magique. Voir si je le one shot lui, du coup. Ouais, c'est genre même pas, c'est 30% de dégâts en plus. J'ai l'impression qu'on prend deux fois plus de dégâts pour faire 30% de dégâts en plus. Peut-être 40% de dégâts en plus. Si je mets ça, ouais, je pourrais pas tester. Bon, on va quand même jouer avec ce build, qui est le plus gros build de dégâts. Vous vous rappelez où c'était? Je crois que c'était là, hein. Non. Putain, mais la grotte secrète que j'avais trouvée il y a 2 secondes là. C'était là? C'était où? Mais merde, mais je l'ai. Mais comment je descends?
Ça s'appelle comment, je viens? Ok. Ça s'appelle Tu vas mourir, j'ai à tous. Vraiment giga content ici d'avoir... Merde! Putain, je pensais que j'étais protégé! Non mais c'est une énorme connerie. Vas-y, j'enlève cette merde. Je mets ça. Et en quatrième, il faudrait que je mette... Il est où mon bâton? Il est là. Sablier? Quoi? Ça coûte de la mana? Putain, je peux pas savoir ce qu'il fait. C'est quoi ce dessin là? Ok, j'essaie de retenir quand même. Mais ça, je suis déjà allé ici. Je suis déjà allé là, non? Ah non, putain. Ah, mais c'est la plage au sud de la zone de tout à l'heure. Qui a rien à voir. Ah, mais c'est une zone que j'ai déjà faite, ça. Putain, ça me donne la page. Ça me donne le plan du sanctuaire. Mais ça m'explique les TP, non? Et un coffre. Oh, une pièce. Bon, après, je pense pas que 4 pièces ça te donne un truc. Peut-être 5. Peut-être une te donne un truc, 3 te donne un truc, 5, et puis après, peut-être 10. Je sais pas. Je sais pas, il faut que je trouve un puits déjà. Bon, retournons dans la zone principale, on va remonter au nord. C'est quoi ça? Mais j'ai mis ça là. C'est quoi ça déjà? Ah oui. Moi bah c'est parti, hein. Zone suivante. Ah mais j'ai plus de mana. Comment je vais faire? On a un problème. On a un problème. Je vais aller au feu pour la gemme, je suis obligé. On sait toujours pas ce que fait le sablier, faut que je teste. Ça va, le feu est juste là, on n'est pas non plus à 10 000 bornes. Faut que je teste le bouclier du coup. Oh, trop stylé. Et ça coûte un peu de mana. Oh mon dieu, je peux activer et désactiver. Mais c'est tellement OP. Non mais sérieux.
Ok. Bon bah du coup on le tue. Merde, je sais plus c'est quoi. Ça s'appelle cendre inversée. Peut-être pour avoir des potions de mana, je sais pas. Faire le tour. Vas-y, je vais activer. Hein. Donc t'es turbo dépendant du grappin pour faire tout le jeu. C'est le seul truc qui te bloque. Mais du coup, tu ramasses même pas le bâton. Dans un speedrun. Ok, je crois que c'est la carrière. C'est magnifique. Hein. Waouh. Ça me fait penser à Inside. Les flous, les décors flous derrière en 3D. Trop stylé. Ok, j'ai mon TP, c'est un des derniers qui me manquait. Le truc est maudit là, je sais pas si... Ça marche pas. C'est quoi là? C'est un démon quoi. En fait, je comprends pas, les trucs sont un peu cassés quoi. Après, s'ils minent les machins pour régénérer de la vie... Ah oui, d'accord. Ah, ils veulent récupérer l'énergie qu'il y a dans les bidules. Non, faut les graves, hein. T'es obligé, hein. Il y a un coffre juste en bas, mais ça me dit pas comment j'y vais, quoi. Ok, je crois que j'ai pas mal d'âmes, en plus j'en ai genre 1000. Qu'est-ce qui vient de me coller? J'ai combien d'âmes? J'ai 1200 âmes. Ouais, en gros là je pourrais aller au shop ou monter mes stats de ouf. Je devrais peut-être aller monter mes stats un peu là. En plus j'ai de l'attaque là. J'en ai un d'attaque, j'en ai un de défense. Je vais me barrer. En plus avec de l'attaque je pourrais sûrement les two-shot, ça m'arrangerait. Je peux descendre avec les escaliers d'ici. Vas-y, on va descendre vite fait et... Attends, y'a un coffre là. Je crois que j'ai vraiment récupéré tous les coffres d'en haut. Pas de la zone du haut. Genre l'oasis je crois que je l'ai fini à 100%. Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Il n'y a pas un petit coffre là? Il y a quelque chose là? Ah, mais c'était un autre escalier. Ah, ouais. Vas-y, go récupérer le coffre. J'avais drop de la vie. Oh, c'est nul. Je sais ouais, j'utilise pas trop les bombes. Les dynamites, ça fait tellement de dégâts. Trop bizarre. Ok, c'est un raccourci pour plus tard. Je crois. Bon, je vais repartir au début, désolé. À la base, je voulais pas perdre mes âmes, mais il n'y a pas vraiment de perte d'âme. Hein. Quand on en récupère, c'est 30, 35. Le nombre de dynamite reset après chaque passage au feu. Attends, tu rigoles là? C'est vrai ou pas? Mais n'importe quoi. Mais non. Ça ne reset pas du tout. Ok, niveau 5 en attaque. Vas-y, je vais mettre la défense. Ah, mais attends. La défense, je peux l'avoir au max là. On m'a spoilé que c'était niveau 6 le max, je sais pas si c'est vrai. Ah non, j'ai cru que j'en avais 6. Ce qui avait marqué 3 en fait. Toi les speedruns, je suppose que tu dois balancer 40 dynamites à chaque fight, non? Ok, nice. Je sais pas, je me suis quand même bon gratos là. J'aurais peut-être dû les tuer quand même. C'est bien, si j'arrive dans la zone, je suis déjà mort quoi. J'ai même pas vu. Je sais pas. Je crois que je peux pas gérer le fight. Hein. Oh, c'est tellement dur. Non mais je suis déjà mort. Quoi. Non mais sérieux, ça me touche? Wouah! C'était la sauce! Aïe, hein! Ah, il essaie de me tirer dessus! Oh, mais bon, je suis un peu loin quand même là. Ok, bah vas-y, go monter. Hein. Ah, mais du coup, je peux prendre l'aggro des mobs en étant sur le. En étant sur le truc. Et il me rush du coup. Donne quoi le jeu? Oh, c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment très très bon jeu. Je pensais pas qu'il me touchait, ok. Très bien. Non, là je comprends pas trop la zone parce que je suis en bas, mais en même temps on peut aller en haut.
Ok, je suis obligé de perdre de la vie, j'ai pas le choix. Bon, ça va, on fait des bons dégâts quand même. J'ai l'impression que je fais mal. Carte indispensable pour cette zone, on l'obtient déjà. Ah, on l'obtient où? Moi je sais pas, on l'obtient, je l'ai pas. Je crois. Ah si, je l'ai. Ah oui, je l'ai, la carte en plus. C'est vrai que je pourrais regarder la carte quand même. Oh. Ça doit être bouclier augmenté. Parce que là, on pourrait jouer avec bouclier augmenté et. Peut-être mieux que vie, bouclier augmenté, je pense. Là j'ai attaque augmentée et défense et dégâts augmentés je crois. Non j'ai anneau du péril, mais anneau du péril. Ah mais ça doit être l'anneau du péril qui fait que... Non bah non. Ah non mais j'ai compris. Anneau du péril c'est quand on est low life. Mais oui. Non mais je suis trop con. Bah oui, si c'est ça. C'est quand on est low life, teinture, ça augmente les dégâts, ça diminue le bouclier. Bracelet, c'est l'inverse. Mais de très peu, genre 20%. Ah putain, je suis vraiment très con. Et là, j'ai une gemme d'aura. C'est écrit dans une langue bizarre. Et ça dit que ça augmente un truc, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est l'aura. Mais du coup, à la fin du fight de tout à l'heure, là, j'étais en pur speedrun. J'avais un HP et j'avais dégâts augmentés de genre 50%. Mais c'est ça qui s'est passé sur le fight tout à l'heure. Je l'ai oblitéré le boss. Pari timing, comment ça? Ah, vous pensez qu'il y a un truc qui augmente la durée des roulades? C'est peut-être ça, hein. Mais c'est peut-être ça, hein. Mais j'ai l'impression de délirer. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Je cherche juste la carte de la carrière. Ouais, j'étais bloqué sur le truc, là. Il n'y a pas de chemin. Ok, là, faut juste continuer. Ah ouais. Non mais du coup ça a rien à voir. Ok, vas-y, on va aller au feu, on va remonter. On va remonter tout et on va aller au feu du coup. Non mais ok, en fait on perd 20 systématiquement. C'est la mort est à 0% punition. La mort ne punit juste pas en fait. Donc ça sert à rien de ramasser ses âmes. Ça te dit juste que c'était là que se trouvait ton cadavre, quoi. Que t'aies une idée vague. D'accord, en fait, depuis le début du jeu, je pars du principe que mourir, c'est une catastrophe. Alors que ça change rien. Ok, donc là, on a débloqué un raccourci. Et d'ailleurs, je suis allé... D'accord que je peux pas y aller à gauche, c'est plus tard. Ok, ouais, c'est plus tard. Et là, je vais pouvoir descendre encore plus bas avec la zone du bas. Là. Il y a quoi ici? Mais...
Pourquoi je peux aller là? La durée du jeu, c'est une vingtaine d'heures. Si tu veux vraiment tout à 100%, quoi. Je comprends cet étage, c'est quelqu'un sait. Je dépasse un peu là. Ça trop stylé la matière noire là. Ouais, en dessous, je sais pas, y'a rien. 22h, c'est 100% avec solution. Ah. Putain, sérieux? Oh! What? Bon, moi, je vais aller dedans, moi. Mais. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une mécanique que j'ai pas, en fait. Mais attends, mais on peut vraiment sauter dans le jeu? Par contre, il y a un bail avec. Il y a un truc avec la. La carte où t'es censé rester dans l'eau pendant 60 secondes, j'ai pas compris là. Faut que j'essaie de comprendre la logique de ce truc. Peut-être faudrait que je teste de rester dans l'eau 60 secondes. Pour voir s'il y a un truc qui change sur les cartes. J'en ai deux du coup, je suis sûrement en emplacement de. Ah, mais c'est oui, ok. À quoi que on doit pouvoir faire le tour. Non, lui c'est de l'autre côté qu'on l'obtient. Faut que j'aille dans le bâtiment principal. C'est con, ils ont mis un feu, on peut pas aller dessus. Dommage qu'on ne puisse pas geler le sol. Ce serait logique pourtant. Ah, le monastère! Oh là. Je perds beaucoup de vie là. Ça va faire mal, je pense. Ça m'embête de par le feu. C'est foutu. Hein. Oh non, mais je roule à trop tard. Putain, faut que je refasse tout. Non, mais c'est chiant. Est-ce que je pouvais le prendre le feu ou pas? Putain. Oh non, mais j'ai débloqué un raccourci. J'ai oublié que j'ai un coursif, c'est pas grave. Y'a quoi ici? Ah oui, c'est de là que j'arrive, non? Si? Je sais plus. Ah oui, c'est de là que j'arrive, c'est ça. Ah oui, là, ah oui, là on est en bas, non mais je suis trop con. L'étage d'en dessous c'était l'étage du raccourci, là c'est l'étage d'où j'arrive. Et là c'est où je vais, où il y a l'étage que je comprends pas. Mais je pense qu'il y a rien. C'est un bait. Là j'ai pas les drapeurs en fait depuis tout à l'heure. Ah.
Ok, monastère du coup. Je crois que c'est une autre carte. Du coup, monastère va nous permettre de sortir de l'autre côté. Ah, il y a montagne enneigée au-dessus. Mais ça redescend vers les carrières, les montagnes enneigées, non? À moins que ça ait rien à voir. J'ai pas une carte du monastère, je crois. Ah non, j'ai la cathédrale, ça a rien à voir, je pense. Ok, vas-y, go les fumer. Ouais, on est obligé de perdre la vie. Hein. Ils en perdent pas comme par hasard. Ok, il y a un passage ici. Je sais pas si je peux passer au travers. Ouh là là, ça me passe dessus ça. Peut-être passer là. On peut. Faut juste oser quoi. Sauf que là je reviens au début. Ou alors c'est une autre zone et je suis complètement con. Il y avait une échelle depuis tout à l'heure là qui permettait de pas prendre de dégâts. Enfin très peu. Ok. Et ben très bien. Je vais récupérer mes 20 âmes. Vraiment 20, hein, d'accord. Ah ouais, non, c'est ridicule. Et je vais juste activer le levier ici. Hop, merci Coplix. J'ai raté un truc encore, putain, sérieux. Ah oui, je peux retourner dans la carrière par ici. Ah non, y'a rien. Ça. Non mais on est bien d'accord que là j'ai tout fait non. Mais on, attends, y'a un mec qui m'a dit il y a une zone descend. Putain, mais c'est quoi ça? Cette zone est extrêmement dangereuse. Komori, c'est qu'au perdu. Ah, le marécage, j'y suis pas encore. Pourtant, c'est page 39, c'est juste après la carrière. Non, mais je vois pas. Non, faut que je fasse le monastère, vas-y, c'est bon. Le problème, c'est que là, je suis juste mort. Je dois esquiver tout. J'ai littéralement... Enfin, j'espère que c'est court parce que... Là, c'est chaud. À moins que ce soit la fin, ça. Oh, j'ai le... truc de charognard. Ah, je prends plus de dégâts. C'est pour ça qu'il prenait pas de dégâts. Eh oui. En fait, c'est... Oui, bon, je suis con. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'ils prennent pas de dégâts des trucs bizarres. Parce qu'ils ont le masque. Ah et du coup maintenant si je refais la zone je vais avoir toute ma vie. Malheureusement c'est un peu tard quoi. Quoique. Maintenant j'ai la corde. Mais attends, mais je pouvais aller en haut? Ah oui non, faut que je fasse tout le tour. Enfin, trop stylé mon perso avec le masque, incroyable. Trop, beaucoup trop stylé. Alors là il y a deux possibilités, soit je monte tout en haut des montagnes, soit je descends plus profond dans la mine. Je pense que là il y a deux possibilités. Je vais descendre, on va commencer par le bas. Ok, un autre morceau de potion, j'en ai deux. Il en manque un. On va voir que là il n'y avait pas de chemin depuis tout à l'heure. Vous savez là, s'ils mettent un chemin maintenant, c'est un peu triste. Non, sérieux. Non, sérieux. Non, c'est des bâtards en vrai. Il n'y a même pas de porte comme dans Dark Souls, ils nous respectent pas en fait. Ils nous respectent pas. Ils nous respectent pas.
Attends, j'ai enlevé quoi pour mettre ça? Non, faut que je mette les dégâts, j'ai mis... Ça, ça sert à rien. Ah mais je prends vraiment énormément de dégâts avec cette... Mais est-ce que le truc chanceux qui me fait drop des cœurs, ils peuvent dropper de là? Mais c'est normal, c'était ce que je voulais faire pour la fin de ma vie. Maintenant je vais être full life. Je vous ai bien eu avec ma blague. Bon, du coup on est exactement où on était au début. J'ai mes âmes directes. C'est con que ça les ait fait péter comme ça. Non, j'ai le truc qui double les dégâts que je subis, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais j'ai même pas pu roulade, ça avait pété instant. Il faut absolument que je vire cette merde. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre? Bouclier bonus? C'est quoi ça? Ça augmente l'aura. C'est quoi l'aura? C'est la régène de... Ah, je comprends pas c'est quoi ces deux trucs là. J'ai pris le cœur, c'est pour régène de la vie en tuant les mobs. En fait là j'avais un truc qui faisait que je prenais double dégâts donc je me faisais quasiment reste. Y'a pas des trucs? Ah ils viennent de... Ah oui. Ah mais c'est ce duo. Je dégrade dans ce truc. Bon, ça me saoule. Compliqué, hein. On est où? Ah, je les ai pas consumés, ces trucs-là. Il y avait un coffre à gauche. C'est pour régénérer la mana, c'est cool. Ah, ça rentre quand même un peu. Hein. Je vois pas comment. Ah oui, non, c'est là, je suis trop con. Oui. Je pensais qu'il était mort. Putain, c'est fou. Ok. Oh, une carabine. Mais c'est une arme en plus. Ah, c'est l'outil de... C'est l'auto-attaque de Graves, quoi. Et là, ils vont me donner quoi, ici? Parce qu'évidemment, j'ai trouvé un passage secret, j'ai aucun doute là-dessus. Merci pour ça. Oh, une petite potion grave. Mais c'est mérité. C'est mérité, c'est mérité. Ouais, le Ben, il a l'air de prendre pas mal de mana, mais ça tombe bien, je vais pas l'utiliser.
Comme le bouclier, comme le sablier. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai quand même raté. Je sais pas. J'ai raté. Sur une échelle de 1 à 100, j'ai raté beaucoup de zones ou pas? Enfin, de trucs cachés. Ou ça va quand même, je m'en sors pas trop mal. À trouver les petits trucs. À l'instant, au coffre. Ah oui, celui-là. Mais je peux pas y aller d'ici. Ah, si je peux. Ça va rien donner parce que c'est trop obvious, mais. Quand le chat trouve, généralement, ça donne pas grand chose. C'est soit le chat sait mais ne dit pas. Et c'est un peu difficile à voir. Mais bon, si tout le chat le voit sauf moi, généralement, ça va. Oui. Ah, ils font chier. Mais genre, c'est quoi le plan en fait? C'est dur. Enfin, ça va, je vais pas non plus devoir faire 60 000 km, mais. Ah, mais je peux plus, grave, j'ai plus de mana. Ok, on est pas mal. Tomber encore, putain. Ok, on est dans la carrière, mais je sais plus sur l'image, donc c'est que je vais être beaucoup plus en dessous. Ouais, bon, bah on est plus sur la carrière, on est autre part. Ah, bah je suis content des HP que je viens de récup là. Grosse diff, hein. Comprendre où je dois aller, mais. Mais attends, mais les cœurs ils apparaissent 72 ans après ou. Pourquoi je les vois pas à chaque fois les cœurs? Mais là faut que je remonte. Et je peux pas utiliser la. L'échelle elle est là. Oh, mais merde, mais je peux. Mais je suis. Je peux... Ça veut dire que je peux plus aller. Je crois que j'ai déjà fait la zone d'après de toute façon. D'accord que vu comment c'est sombre, y a rien. On va passer dans un petit trou. Ok, nice. J'aurais dû continuer sur le chemin de fer pendant beaucoup plus longtemps. Je suis descendu trop tôt. Ça a continué beaucoup plus longtemps. Quoique après, il y avait l'air d'avoir des trucs qui nous bloquent. Mais... Ok, là. Mais non, en fait, je crois que j'ai tout fait hein, dans la zone. Vous pensez que j'ai raté des trucs? Il n'y a rien là. Et à gauche, rien non plus. S'il y a peut-être un truc pour remonter là. Je crois pas que ça continue en haut. J'ai l'impression plutôt que t'es bloqué par les machines de forage. Et que fallait descendre dans tous les cas. Et donc là, c'est la suite. T'as cette vue traversière endiablée. Non mais là, je pense que c'est cinématique un peu.
On n'est pas là pour ramasser des objets, on est là pour trouver un feu et fumer un boss.